tous et bienvenue dans demain vous appartient votre émission sur les séries de TF1 comme d'habitude cela commence avec le générique de loup que j'adore si vous aussi c'est le cas bah, n'hésitez pas à suivre le lien en bas de la vidéo pour aller sur le site demain vous appartient vous pourrez retrouver mon article sur le générique de loup avec cette chanson en intégralité nous allons, comme d'habitude, revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries, puis nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Alors, la rentrée a très mal commencé au lycée Agnès Verda, puisque, c'est officiel, Clément est bel et bien mort. Reste à savoir... Euh, la vérité va dessus, les circonstances sont troubles, est-ce un suicide ou un meurtre? Bien évidemment, la police soupçonne Garance, il s'était déjà introduit dans le lycée pour le gifler. Évidemment, depuis la mort de sa mère, ben, Garance est très dure, c'est compréhensible. Moi, je ne la crois pas du tout coupable. Était venue s'y fuir la veille. Pourquoi elle serait revenue après euh, pour aller me jeter dans le vide Non. D'autant que Clément réservait pas mal de surprises désagréables. Puisqu'il s'était disputé avec Jordan, évidemment, la police a arrêté Jordan. Mais l'ADN euh, sous les de Clément ne correspond pas. Puisque c'est l'ADN de Mathilde. Oui, il l'avait griffé en espérant la reconquérir dans les toilettes des filles. Voilà, Mathilde a donné sa version et est parti ensuite. La police ne va pas garder. Alors, est-ce vrai Est-ce qu'après être parti des toilettes, il ne s'est rien passé À moins qu'on ait retrouvé pour le jeter dans le vide Je ne pense pas. Après, ce qui est surprenant. C'est que paraît-il, Clément n'était il pas tout seul dans les toilettes. Il y avait Nathan. Là, on n'a pas l'impression hein, qu'il y avait de la place pour Nathan. Le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est lui-même qui a été parlé de la dispute dans les toilettes euh, à Mathilde. Sans ça, Chloé n'aurait pas répété à la police. Alors, après avoir vérifié qu'il ne pouvait pas entendre à moins d'être dans les toilettes, voilà, la police euh, a arrêté Nathan. Il va que ce qu'il mérite. Euh, il aurait pu éviter ça, mais non, il a fallu qu'il vous ça rende-bouche. Ben, voilà le résultat. Il n'est pas très futé. Nous savons au moins pourquoi il était dans les toilettes. C'était pour acheter de la drogue actuellement. Mais il n'en avait plus. Alors, où est passée la drogue Bon, ça y est, une petite idée. Puisque nous aurons vu euh, Jordan. Euh, Dépenser le pognon de ma famille, il n'y avait pas rien pour faire les courses, et puis ensuite il ramène des choses. Il s'est débrouillé, qui dit, oui. Après, c'est une drôle d'idée euh, éducative d'Audrey, qui doit s'absenter alors pendant trois mois pour le travail, à peine arrivé à part. Alors, solution chaque semaine, l'un de ces trois ados sera le responsable de famille. Une idée pas très judicieuse, à mon avis. Connaissant Jordan, déjà, on se dit, lui, responsable de famille pendant une semaine Non. En théorie, euh, c'est déjà pas très sûr. Alors, en pratique, on se dit non. Voilà. Qu'il y ait un enfant responsable, pourquoi pas Entre Wysier et Jacques, eux, ils sont à la tête sur les épaules. Peut-être qu'il peut y avoir un des deux, alterné entre les deux, mais Jordan devrait être disqualifié d'office euh, Bon, on peut faire une semaine d'essai, mais ne, ne pas que ça dure pendant trois mois avec Jordan, euh, chef de famille à un moment. D'autant qu'il risque d'entraîner les autres dans du n'importe quoi, puisque dans sa somme il cache euh, de l'argent et de la drogue. Donc, c'est certainement bien lui qui a volé le scooter de Clément et qui a fait main basse sur ce qu'il avait à l'intérieur, mais était-il son meurtrier pour autant. Voyons Laetitia, bon, qui est dévastée par la mort de son fils. Heureusement, son amie Irène euh, s'occupe d'elle. En plus, elle peut voir la cour du lycée d'où elle est. Nous aurons vu Zaya, la fille d'Irène. Et je me dis, bon ça va, et si c'était elle la responsable du meurtre On ne sait pas, hein. elle devait connaître intimement Clément. Voilà à mon avis, euh, la suspecte a priori inattendue, qu'on n'avait pas encore vue la semaine dernière. Je ne serais pas surpris euh, on découvre après que c'est elle. Évidemment, il y a encore Bart euh, qui doit aussi être suspecté. Le divers euh, de Clément. Après cet événement, les cours continuent au lycée. Et Camille euh, bah, ne s'entend pas du tout être le nouveau prof euh, de littérature. Euh, François. S'il si, passe bien auprès des autres élèves, pas pour Camille. Et il y avait en plus de père à sa mère. Alors, ça va être une année très difficile pour les futurs ennemis. En parallèle de Sob, nous aurons vu Avetz qui tente de reconquérir Koé. Ouais, après, t'es en train d'abuser, mec. L'année dernière, elle t'a quitté parce que t'avais bu et, et tu avais trompé. Après avoir sauvé Judith de la grotte, que l'eau était prête à revenir, et toi non, tu avais choisi fort, et puis maintenant, hop. Judith a plus de chance en amour, puisque ça se passe avec Noah. Après, on se demande, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en train de jouer au chat à la souris, maintenant ça y est. Voilà, ils ont fait l'amour. Noah a pu profiter. Euh, de l'intimité de Noah. Christelle a fini par trouver le lingot d'or planqué dans le jardin et a ordonné à Sylvain de le restituer à la police. Puis elle a changé d'avis, elle a décidé de garder cet argent. Alors, du coup, il a fallu fracturer la boîte aux lettres pour le récupérer. À ce jour, il n'y a pas l'air d'avoir d'enquête, alors ça peut-être être bon, malgré le ridicule euh, de la situation. Ils n'auront peut-être pas été vus à forcer à boîte aux lettres, il n'y aura pas d'ennui à de la police. Apparemment, ils comptent partir en vacances avec cet argent, retrouver leurs enfants à Paris, et peut-être y rester, qui sait. Il reste servi seul pour le moment, servi qu'il doit faire sa rentrée en de jours Sophia aussi devra. Faire sa rentrée quelque part, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle a remarqué euh, que Jacques était amoureux d'Adrien. <coughs> ce qui ne dérange pas ce dernier. Un nouveau personnage est apparu. Il s'agit de Vanessa. Puisque Bart et Wiz, contre toute attente deviennent le nouveau propriétaire du Spoon. Une affaire très vite bacquée. Euh, SMS de Tristan pour leur proposer de reprendre l'affaire et hop déjà dedans. Tristan ben, il s'est volatilisé. Conséquence de la prise d'otage. Alors il fallait bien sûr un nouveau cuisinier. Ils ont pris Vanessa, qui apparemment est très compétente dans ce domaine. Et aussi très désagréable. Enfin. Allez, au moins, UT pour faire partir euh, les curieux malsains qui veulent voir euh, où est mort Ulysse. Oui, Vanessa n'est pas une cuisinière euh, sympathique. C'est à, à se demander si elle n'aurait pas un lien de parenté avec euh, le CFTC. Euh, <laughs> Donc, ici, tout commence. Nous avons à présent. Ben, nous diriger vers ce feuilleton. Car là aussi, il se passe pas mal d'événements. Dans l'espoir de mettre fin aux incendies, Antoine a engagé Stéphane en tant qu'agent de sécurité. Bien il en a pris, puisque il n'a pas échappé à Hortense qui va des traces de, de brûlures. Elle pense donc qu'il y eu à ça. Effectivement, son passé montre qu'il était accusé euh, d'avoir mis le feu à son immeuble. Ce qui a permis à Huyot de tout comprendre, que c'est bel et bien Lionel le pyromane. Le pauvre Huyot en plus, il n'arrive plus à cuisiner. S'il ne retrouve pas le goût et l'odorat, ben, il devra arrêter ses études et se reconvertir. On comprend qu'il soit furieux, mais malgré cela, il ne balance pas Lionel, non, parce que Greg lui a demandé. Alors ça fait une sacrée pagaille pour rester poli. Et c'est ridicule, non Et de ne dit rien, même quand il se fait surprendre par Antoine en train de se battre avec Lionel, non. Et ne dit pas que c'est lui. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ben, Lionel récidive, c'est plus fort que lui. Voilà. Et Liotte euh, choisit euh, de se taire. Eh ben, un beau jour, il y aura feu à l'Institut. Il y aura peut-être un mort. Antoine, lui, veut appeler la gendarmerie. Et c'est alors que Stéphane a une brillante idée. Il s'accuse euh, d'être le pyromane. Voilà. Non, non, il ne faut pas appeler les gendarmes chez moi. Il pense sans doute euh, protéger son fils en faisant ça. Mais ce n'est pas lui rendre service, ni rendre service aux autres. Parce que quelles sont les conséquences possibles pour Stéphane Normalement, un renvoi de l'institut. Ça, c'est au mieux. Au pire, il devrait aller non pas en prison, mais je pense en hôpital psychiatrique. Alors, ça voudrait dire qu'il va être absent. Sa famille, comment elle va faire Qui va s'occuper de ses enfants Ils va être. Euh, ils vivraient tous les trois eux-mêmes. Avec Lionel qui est capable de mettre le feu à n'importe quel moment. Et pas sûr que ses soeurs soient au courant de ses pulsions. Alors. Pendant que Stéphane sera pas là, il y aura peut-être. Euh, sa famille qui va mourir brûlée. Non Stéphane. Et pas quelqu'un de responsable du tout. Il est en fait en train de se comporter exactement euh, comme le père de Lobel. Lui aussi, il voulait courir sa femme qui frappait leur fils en s'accusant à sa place. Donc c'est lui qui allait avoir toutes les ennuis au niveau réputation. Et va pareil, lui aussi, pour défendre quelqu'un, il va endosser la responsabilité. Cette semaine, nous avons également vu Antoine, euh, pardon, voir Tom en train bah, d'obéir à Tessier, tenter de séduire Sarwen, en lui proposant de faire une vidéo avec lui. Et bah, cette séquence est d'une stupidité sans nom. Ils sont en train de murmurer des trucs dans un micro, de euh, faire du bruit, euh, de montrer les ingrédients. C'est bête, ça sert à rien, c'est du remplissage. Il ne faut pas s'étonner que Serven, elle préfère lui. Moi aussi, je vois ça. Il monte sur la table pour faire une déclaration d'amour. Bah, C'est très bien. Voilà. Oui, est peut-être un mec excessif, mais avec lui, on s'ennuie pas. Merveilleux. Il a en pu obtenir le résultat qu'il voulait, tandis que son ex-femme a compris que Ambre avait des vues sur Maxime, alors elle se montre jalouse. En train bon, de faire des reproches à Maxime et puis d'aller menacé Ambre. Et en fait, Salomé, bienvenue dans la peau de Louis. Hein. L'année dernière, c'était lui qui sentait que sa femme <laughs> allait le quitter. Ben mais Là, c'est toi. Et pas dire que c'est mérité, mais c'est un curieux signe du destin. L'enquête autour de la mort de Naël n'avance pas beaucoup. Antoine ayant décidé ben, d'avouer que Naël n'avait pas bien, qu'elle avait besoin de sa mère. En conséquence, Salomé et Anaïs ont voulu fouiller les casiers en espérant trouver une preuve. Elles ont été bredouilles, surtout que Guillaume les a surpris et leur a passé un savon. Mais moi, je pense que la mère de Naël, ce serait Déva. Vous avez déjà cette idée en tête avant, un petit peu par élimination. Là, ça se précise, puisque Jasmine lui, pose, lui posait des questions sur sa vie, sur son passé, et Deva n'avait pas envie de répondre. Elle a une chose est sûre, quelque chose à cacher. Quoi On a envie de penser euh, que c'est Naël, pour la simple et bonne raison que la tétine, l'emballage de la tétine a été dans cette fameuse chambre. Elles sont toutes les deux colocataires. Moi, à mon avis, c'est évident, c'est Deva. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça. À moins que Vina euh, était bel et bien à Mère de Neve et a menti. Ça reste aussi euh, une possibilité. Hein. Et pour terminer cette émission, passons à la Brique Actualité, qui concerne ici, tout commence, puisque à partir de vendredi prochain, il y a dans Sideway Star qui revient sur TF1 et vous pourrez retrouver Salomé comme participante. Alors si vous avez envie de m'encourager, soyez devant votre téléviseur. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, rendez-vous demain pour découvrir la suite des aventures de nos héros et nous parlerons de tout cela le week-end prochain.